Moi, c'est Thibaut Anselmé, donc je suis en équipe de France de ski alpinisme. J'ai remporté la première étape de Coupe du Monde en Italie, là, le sprint. Et puis voilà, hein, donc là on est à Flaine pour l'étape de Coupe du Monde, la troisième. Je suis Antonin Guigonnat, biathlète, vice-champion du monde il y a 2 ans, ça commence à remonter. Et dans le relais victorieux il y a quelques jours sur la Coupe du Monde. Alors je fais un petit peu de ski nordique, ski de fond, mais plus particulièrement en classique. À l'automne, souvent sur les skis roues, on en fait pas mal. C'est vrai que c'est un geste qui ressemble un peu bien au ski de rando. Et puis l'hiver, pas mal en récup, toujours en classique, hein, je fais pas trop de skate. Mais j'aime bien en faire en récup, tranquille, ça change un petit peu aussi. Ça varie quoi, ça fait voir autre chose, être un peu plus en glisse, travailler à l'équilibre et puis les appuis. Donc ouais, j'en pratique un petit peu. Ouais. Ah déjà, si je suis là aujourd'hui sur la Coupe du Monde de ski alpin, c'est pas pour courir du tout. Hein. Moi, je suis trop lourd pour ça, mais c'est parce que je viens voir mon coéquipier de l'équipe de France militaire de ski, Thibaut. Donc on va faire la reco ensemble aujourd'hui si j'arrive à le suivre. Moi, je viens d'une famille, on a toujours fait de la rando, quoi, de la peau. Et j'ai déjà fait quelques compètes en étant jeune, championnat de France de verticale il y a bien longtemps. Après, dans ma pratique maintenant, je me sers pas mal du ski de rando pour aller en montagne. Moi, je suis un montagnard, j'aime ça. Et puis, pour aller chercher de la dénivelé, si Thibaut, lui, il vient chercher un peu plus de la glisse sur le ski de fond, moi, je profite du ski alpi pour aller chercher du dénive, le grand air, les paysages et puis la descente quand même. Ouais, bah l'effort, c'est vrai que ça. Oui, il y a des similitudes. Hein, on est quand même souvent à bloc, hein, je veux dire. Donc, oui, il y a des similitudes. Après, c'est pas les mêmes muscles qui fonctionnent quand même. En ski nordique, c'est quand même bien plus le haut du corps. Nous, c'est bien les jambes qui travaillent le plus, quoi. Mais au niveau de l'effort, ouais, de toute façon, on se met bien à bloc dans les deux sports. Bien sûr, sur le foncier, c'est la même chose. Après, les compétitions en ski alpin sont bien plus longues que ce qu'on fait nous en biathlon. Mais sur les séances d'entraînement que je vais faire, c'est pareil. L'effort de la montée est vachement linéaire aussi. Ça me permet de garder un bon rythme tout le long. Alors qu'en ski de fond, c'est un peu plus plus vallonné. Et par contre, la descente, faut que je fasse attention à pas me casser les jambes ou un genou parce que ça serait vraiment dommage pour mon sport. Ouais, ben je suis sur l'équipe 21, c'est vrai que c'est facile à suivre, hein, le biathlon, mais ouais, j'aime bien regarder, surtout que maintenant que je suis à l'armée de champions avec Antonin et tous les biathlètes, tous les autres sports divers, c'est vrai que ça fait plaisir de suivre les athlètes du groupe, quoi. Donc oui, je suis, et puis ouais, je m'intéresse, bien sûr. Ouais. Ouais, moi je suis pas mal, sur les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut quand même pour suivre au moins les résultats. Après, pour voir des images, c'est un peu différent. Après, moi, quand je peux, au mois de mars, j'essaie d'aller au sommet du Grand Mont pour voir passer les coureurs à la pierre. C'est quand même un grand moment et pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans le ski alpiniste, ce genre de grande course. Et ben maintenant, ce qui d'être à l'armée, ça fait que je suis professionnel. Ça me permet de bien m'entraîner, reposer, ça me donne un statut social aussi, ça me libère l'esprit et ça me permet d'être vraiment concentré sur mes performances et la compétition, quoi. Moi, j'ai intégré le groupe, on va dire sur le tard, il y a seulement 2 ans, ça m'apporte une sérénité certaine dans mon sport, ça me permet d'être professionnel, d'être à 100% dedans. Et je pense que la première année où j'ai intégré l'équipe, j'ai fait ma première médaille au championnat du monde. Donc c'est pas anodin, je pense que ça libère la tête et l'esprit pour être à 100% focalisé. On voit Thibaut cette année qui vient d'intégrer l'équipe, qui est au top de sa forme aussi. Donc je pense que c'est une vraie aide pour nous, les skieurs de haut niveau.